Bonjour, je m'appelle Joël Hort, je suis directeur de camping et j'adore jouer à la belote. Et je vais vous parler de la belote et rebelote dans le jeu. Tout à fait, lorsque vous avez joué, fait une mène, gagné ou perdu contre vos adversaires et que vous aviez dans votre jeu, dans l'atout déterminé, admettons, carreau, que vous aviez à la fois la dame et le roi, de carreaux, c'est-à-dire la belote et la rebelote, que vous gagniez ou pas les plis, vous conserverez automatiquement vos 20 points. C'est la valeur de la belote et rebelote. Lorsque vous avez fini un pli, que vous avez terminé, on appelle ça une mène, que vous êtes en train de compter vos points, la personne qui avait dans son jeu le roi de carreaux, la dame de carreaux, parce que là, l'exemple serait l'atout, carreau, ça aurait pu être trèfle, pique, cœur, comme vous voulez. La personne qui avait ces deux cartes dans son jeu, qui a annoncé en jouant belote, rebelote, obtiendra 20 points. Il les conservera, ces points, dans le décompte des points finaux. En conclusion, la belote et rebelote, c'est très intéressant de l'avoir dans son jeu, c'est intéressant de l'avoir dans ses points, parce que 20 points, c'est toujours bon à prendre, et ça pourrait permettre aussi à remplir son contrat. Et puis, c'est la finalité de ce jeu, la belote et la rebelote. C'est un plaisir de l'avoir, et c'est une petite suprématie pendant au moins une mène. Donc, je vous souhaite d'avoir le plus souvent possible la belote et la rebelote dans votre jeu.